Déjà la société elle travaille dans le fruit et légumes, donc c'est un produit naturel. Quand on dit produit naturel, toute action derrière est aussi liée à tout ce qui est environnemental et durable. Donc c'est clairement un point de vue qu'on a retenu en tant que tel. On veut vraiment suivre cette démarche parce que ça rentre dans notre gamme et ça rentre dans nos valeurs aussi de la société. On travaille un produit naturel et on voulait faire un maximum à ce que ce produit naturel soit préservé. Et pourquoi d'après vous les gens se sentent plus concernés par tout ce qui est écologie et développement durable? Je pense que c'est déjà toutes les démarches politiques qu'il y a tout en Europe. Tout le monde essaye de. Chaque pays essaye d'avoir le moins d'émissions possible. Et je pense que c'est un trend qu'après tous les citoyens va suivre aussi. Et c'est à cause de ça que nous aussi on investit dans, par exemple, cette serre qui démontre notre démarche et notre volonté de suivre cette démarche européenne, mais mondiale aussi. Quelle est la vision de Rose Bush sur l'impact du développement durable sur le monde aujourd'hui? Bon, on va faire un maximum, bien sûr, pour respecter tout, pour être le plus durable possible. Donc, on a investi dans de la photovoltaïque, on assure les toits, on produit notre propre énergie, on récupère les eaux de pluie pour alimenter les réseaux de tout ce qui est toilettes, etc. On a investi dans cette serre-ci, on a planté 1000 arbres pour justement démontrer aussi notre volonté de promouvoir les circuits courts de la production nationale. Et voilà, c'est ça en fait, toutes les actions qu'on a mises en place jusqu'à présent pour aussi démontrer qu'au futur, on va essayer de développer de plus en plus dans cette direction-là. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Avec plaisir. J'espère que votre bouche continuera dans sa lignée. On va faire au maximum. Ouais.